Bienvenue dans le podcast Lise. Donc moi je suis Lise de laine Lise, teinturière de laine. Et donc bienvenue à ce podcast qui commence avec un gros camion qui passe derrière vous. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Donc bienvenue. Donc à cet épisode, on va parler de certaines choses. Je vais vous montrer certaines choses. Donc je vais tout d'abord vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté du Knitit Lyon. Après, je vais vous montrer mon tricot, je vais vous parler un peu de ma vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, on va parler de ce que je porte. Donc, et pourquoi je porte tant de choses? Donc, hier, il faisait assez chaud ici en Grèce, à Athènes. Mais ce matin, côté température, ça va, on est encore dans la vingtaine de degrés Celsius. Mais bien sûr, en Grèce, comme je dis assez souvent, on a un très beau et fort vent du nord. Donc tu sors et il y a une rafale qui va te prendre avec quelques mètres si tu veux ou si tu veux pas. Pas d'importance, c'est pas ton choix, tu vas y aller avec. Et tu vas avoir bien froid. Donc même si tu portes un tricot entre les mailles, le vent va passer. Donc il y a certaines petites couches. Et surtout, un joli bonnet. C'est le premier jour que je porte un bonnet. Je suis trop contente. J'aime trop mes bonnets. Bref. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit que comme les autres personnes aiment tricoter des chaussettes, moi, j'aime tricoter des bonnets. Et n'empêche, il faudrait que j'en ai plus. En plus, je les perds, mes bonnets. Bref, heureusement, j'aime bien faire des bonnets. Donc, enfin, aujourd'hui, c'était le jour où j'ai mis mon Flower Hat, je crois qu'il s'appelle, de Midori Café. Il était dans un laine magazine et je l'avais fait avec ma base Psyché. Donc, c'est ma single Merino Soie qui est très douillée, très soft et très légère. Et parce que j'aime bien qu'il soit bien chaud et qu'il n'y ait pas l'air qui rentre entre les mailles, bien sûr, j'avais mis avec un mohair en couleur silver, donc un gris clair, qui a donné ce résultat merveilleux et je l'adore. Franchement, c'est l'une des choses les plus douillées, les plus chaudes que j'ai jamais tenue dans mes bras. Ah là là, je l'adore. Après, je porte mon châle Amos qui a été fait, c'est un design de Greta Mensen qui est autrichienne, je crois, à la base. Pas d'importance, qui est trop bien, je l'adore. Il a été fait avec ma base Gaïa en déca. Et bon, je crois que vous savez tous combien j'aime bien cette base en coloris Emily. Donc, je l'aime beaucoup. Il y a des précommandes si vous voulez sur mon site en ce moment jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, je porte mon pull Womo qui lui aussi avait apparu dans l'Elle Magazine. Et donc, vous voyez que je suis assez légèrement habillée. Donc, j'ai une chemisette qui n'est pas très chaude. Ou voilà, une chemisette assez légère. Mais je porte mon pull Womo qui, lui, est tout simple. C'est un fingering, mais dans ma base NYX. Et ma base NYX, c'est ma Merino Lilo Cachemire. Donc, c'est bien chaud et très soft. Je l'aime beaucoup. Donc, ce matin, j'étais pas très sûre comment m'habiller, j'ai mis ma chemisette. Je me suis dit, je vais choisir celui-là qui est un peu plus gros, pas plus gros, mais plus chaud. Et voilà, et j'ai mis mon châle par-dessus. Et bien sûr, j'ai pris mon bonnet avec parce que j'ai bien vu les arbres qui bougeaient par-ci, par-là. Donc, je l'ai mis dans ma poche. Mais une fois que j'étais dehors, je savais bien qu'il fallait que je le mette. Donc, voilà. Donc, parlons du Knitit Lyon. Déjà, c'est la première fois que j'étais au Knitit. C'était très sympa. Beaucoup de monde. Super ambiance. Bien sûr, j'étais très contente de revoir Nathalie By Night et son mari Jean-Luc et Cécile de la Fifile avec Mathieu. C'était aussi très sympa de revoir Aimé, de la Bien-Aimée et Julia, une des...
de ces personnes qui... J'ai pas envie de dire son assistante parce que je pense pas qu'elle est vraiment son assistante, mais qui travaille aussi pour la bien-aimée. Bref, voilà. C'était super sympa aussi de voir Mathieu, Caroline qui est venue et à un moment donné, elle est venue sur mon stand et on a papoté. C'était aussi super sympa, bien sûr, de voir Jackson et David de Robledad. Donc, ils sont d'Espagne. Ils ont une très belle ferme qui, malheureusement, il y a quelques jours, ils ont eu un feu. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous prie d'aller sur leur Instagram. Et même si vous ne pouvez pas aider à leur acheter un coffee ou quelque chose, faites passer la nouvelle. C'est déjà une énorme aide pour que les gens savent et s'ils peuvent qu'ils les aident pour reconstituer la partie qui a été brûlée de leur ferme. Donc, ce n'était pas vraiment très pensé de ma part de parler en dernier de eux. Mais mon premier écheveau, c'est un écheveau que j'ai pris d'eux. Ils étaient juste à côté de moi, leur stand. Et David a beaucoup aimé un écheveau en Gaïa, Deka. Et je lui dis, ben, tiens-le. Et si je vois quelque chose que j'aime bien, ben, si on se fait un échange entre nous. Et donc, finalement, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai flashé sur ce coloris. Et donc, il y avait plusieurs écheveaux, mais celui-là, c'était celui qui avait le plus de variations. Les autres, ils étaient un peu plus roux, avec moins de jaune ocre. Et donc, c'est leur base Silk Yak. Donc, c'est 20% de yak, 20% de soie et 60% de merino superwash. Et ça s'appelle Beautiful Nightmare. Donc, c'est le beau cauchemar. Donc, voilà. Leur Instagram, c'est Roble d'Almohel. Ici, voilà, Roble d'Almohel. Ça, c'est leur carte et je l'aime beaucoup. Donc, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire, mais j'aime bien quand j'achète maintenant quelque chose, d'avoir à peu près une idée de ce que je voudrais faire. Et je dois dire que j'ai pensé au début de faire un bonnet en le tenant les deux brins, donc les deux, donc le début et la fin du cake de l'écheveau et de les tricoter ensemble. Mais après, je me suis dit peut-être qu'on verra pas trop les variations. Après, un bonnet avec un mohair que j'aime bien, mais on verra pas non plus tellement les variations. Ou sinon, je sais pas quel bonnet faire. Bref, il y avait plusieurs idées de bonnet, bien sûr. Mais après, j'avais pensé que déjà, j'avais flashé sur des couleurs solides de la Féfile. Et donc, je suis allée avec les chevaux au stand de la Féfile le dimanche, c'était un peu plus calme. Et donc, j'étais entre un doré qu'elle a ou un coloris un peu orangé, un peu, comment on dit, pumpkin. Je ne sais pas comment on dit pumpkin maintenant. Un peu orange roux, bref. Mais finalement, l'orange roux, je trouvais que c'était pas tellement contrastant de ce que je voulais. Donc, j'ai pris Or de Tonne de la Féfile dans sa base Merino Soie. Donc, j'aime bien que tous les deux, ils ont de la soie. Donc, ça donne un peu le même effet, la même douceur de laine. Et voilà. Et donc, je trouve que ça irait bien. Ce que je voudrais faire avec, c'est le châle, une minute, je l'avais avec moi ici, devant moi. C'est du Slow Magazine. J'avais aimé dès le début le châle que Marion, donc Marion, c'est Yoharma sur Instagram. Et donc, le châle que j'avais aimé, c'était un châle qu'elle avait fait avec la laine de Nathalie by Night. Et c'est le châle Marcel, si je me souviens bien du nom. Je dois le trouver, il est où? Allez. Voilà, j'essaie de le trouver. Il est plus à la fin. Tout à l'heure, je l'ai trouvé immédiatement pour le podcast version anglais, mais voilà. Donc, voilà. Et j'ai pensé
de faire ce qui est en roue, en garance, ça doit être de la garance, je suppose, je sais pas, mais ce qui est en garance, de le faire en or et faire les nappes et les rayures dans Beautiful Nightmare. Et voilà, j'ai pas de châle dans ces couleurs, j'ai beaucoup de vert, j'ai du jaune dans mes châles, j'ai du roux. Ouais, mais j'ai pas. Après, bon, j'ai des couleurs un peu plus folles dans mes châles, mais je crois que ça, ce serait très joli et ça irait avec mes manteaux et tout. Et je voulais le faire, ce beau spécimen qui s'appelle Marcel de Marion. Donc voilà. Donc, premier projet. En cours. Mais aussi j'aime bien parce que je pense que ça va être un tricot où je le prendrai tout doucement et relaxant, sans trop y penser. Donc j'ai très hâte. Et après je voulais de la laine un peu plus vierge, entre guillemets, un peu plus naturelle. Et j'ai trouvé mon Benoît dans Terroir Laine. Donc ils ont deux grosseurs de fil. Je crois que j'ai pris le plus épais. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Et donc, c'est 100 grammes, 266 mètres. Donc, c'est entre un worsted et un aran. Quand on le voit, je dirais plus un aran qu'un worsted. Parce que déjà, les laines naturelles, après, elles gonflent après le lavage. Mais elle est toute douillée. On sent qu'elle est un peu plus rustique que les autres laines qu'on est habituées ou que moi je suis habituée, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est des couleurs naturelles, ils ont du gris foncé si je me souviens bien, du gris clair, ils ont un blanc un peu ivoire et celui-là c'est un blanc qui est juste un peu plus caramel entre guillemets, on va dire ça. C'est un effet des poils et ils l'appellent ça couleur sable. Donc j'ai pris 5 échevaux en total et je pense qu'avec les 4, je vais me faire un châle ou quelque chose que ça soit autour de mon cou, un bien gros truc j'ai envie de dire, tout douillé, tout naturel, mais je pense que d'un côté j'aimerais bien avoir la couleur naturelle. Mais parce que je pense que peut-être que je vais m'ennuyer, parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de couleur. Je pense, mon idée, c'est de teindre les 4 des 5 dans ce beau coloris Heartbeat. Et donc, de maintenir la base naturelle, mais avec un peu de speckles, de rose, jaune, juste un peu de vert que Heartbeat a comme coloris. Et je pense que ça va lui donner encore un peu plus... de chaleur dans ce petit teint un peu châtaigne, un peu caramel qu'il a, un peu roux qu'il a, bref, voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Si vous avez des idées de gros châles comme ça douillés, n'hésitez pas de me les envoyer parce que je ne suis pas encore décidée. Donc je vais faire une petite pause parce qu'il y a de la laine qui vient juste d'arriver et donc qui ne veut pas arrêter la vidéo pour ouvrir la porte, pour que deux grosses boîtes de laine rentrent, pas moi. Et donc, la boîte, elle était tout au fond du camion, il y avait plein de choses, et comme il s'était garé devant un parking, et bien sûr, comme j'ai tellement de chance, il y a un monsieur qui voulait rentrer dans le parking et qui a fait tout un drame parce qu'il ne pouvait pas attendre 5 minutes pour qu'il enlève le paquet. Il m'a dit, est-ce que ça vous dérange que j'aille délivrer d'autres choses et que je revienne dans une demi-heure? Je lui dis, non, pas du tout, allez-y. Donc, voilà, on va continuer le podcast. Donc, je vous ai dit, je veux avec 4 de ces échevaux. Donc, 4 fois 266, bon, c'est à peu près 1000 mètres. Quelque chose de douilleux. Un châle, je pense. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, dites-moi vos idées. Ou si vous avez fait un gros projet comme ça de laine que vous avez beaucoup aimé. Et j'ai un 5e écheveau où j'ai envie de le teindre simplement pour voir par curiosité les variations que ça va prendre, comment ça va être. Et peut-être faire un bonnet ou deux ou des mitaines ou je sais pas. Des mitaines, il y en a deux à faire. Oh là là.
Je suis fainéante comme pas possible avec ses mitaines et ses chaussettes. Oh là là. Bref. Qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà. Après, j'ai pris des pins. Donc l'un m'a été offert par Sarah de la Cavalaine. Et l'autre, c'est moi qui l'ai pris. Mais je ne les ai pas ici avec moi. Donc je vais essayer de me souvenir de prendre une photo pour les mettre ici. Je les adore. Ils sont super, super beaux. Je les ai mis. Presque tous les jours, je les porte, mais là, je ne les porte pas. Bref. Ce que je suis en train de tricoter a été changé dans le courant de ces dernières semaines. Et mes projets, en fait, octobre, avaient été très méticuleusement organisés. Il a été très méticuleusement désorganisé. Donc, normalement, je devais faire mon Nordiska pour, comme mon Rhinebeck sweater. Finalement, je le tricotais avec toujours du monde autour de moi. J'ai fait une grosse bêtise et donc il a été énorme. Et bien sûr, je n'ai pas pris le temps, entre les fois de tricoter, de regarder un peu mes mailles, combien j'en ai, même si je pensais qu'il était grand. Donc, j'ai fait ça dans l'avion vers Lyon et je me suis dit là, non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas détricoter maintenant, ça va être trop tard. Donc, je vais le laisser... Je vais le poser de côté, je le détricoterai un autre moment, je le ferai un autre moment parce que je le veux, il est trop beau et les laines que j'ai mis de côté pour ça, c'est super beau. Mais je me souviens qu'en face de moi, j'aurai Folie Ordinaire. Donc Mylène a de super beaux patrons, si vous ne la connaissez pas, allez la retrouver, donc Folie Ordinaire. Et j'avais déjà flashé sur ce beau pull qu'elle a aussi en version gilet qui s'appelle Saga. Ça avait été une collaboration de nouveau avec Nathalie By Night. Donc, j'adore leurs deux versions. Et c'était un pull que je voulais faire et qui est très longtemps dans ma liste d'envies. Et que, voilà, je n'avais pas commencé. Même, je l'avais pensé que ce soit mon Rhinebeck sweater. Donc, je me suis dit, il est plus court. Il est en fingering, mais moi, je peux le faire dans ma Basera qui est un light sport que je peux utiliser en fingering, mais il est un peu plus gros. Donc, ça va aller un peu plus vite et j'aurai le temps de l'avoir pour Rhinebeck. Bref. Entre temps, donc, j'ai choisi mon coloris Innocence. Le voilà. Je les ai mis de côté. J'en avais et j'ai demandé très gentiment quand on mettait les affaires le vendredi pour se préparer pour le knit it. Ils avaient une station d'embobinage, on appelle ça comme ça, bref. Et si je pouvais l'utiliser, même s'ils n'avaient pas encore ouvert les outils pour embobiner la laine, bref, je ne sais pas comment ils s'appellent en français. Et ils m'ont dit oui, pas de problème, etc. Je dis oh, je vous remercie, tout. Je sais pas, j'étais dans un mode, il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse mon Rhinebeck sweater, bref. Et donc, ils étaient très gentils et Mylène m'a donné son patron et j'étais super contente. Mais entre-temps, à mon retour de Lyon, je devais partir après 10 jours pour l'Amérique. Les États-Unis annoncent qu'ils ne vont pas ouvrir leurs frontières, tandis qu'ils allaient les ouvrir, et ils allaient les ouvrir en début novembre. Ce qui voulait dire que moi, je ne pouvais pas voyager. Donc, qui a été super triste? Qui n'a plus envie de tricoter? Qui a été très déçu? Qui n'a plus envie de tricoter? Donc, ce qui a fait que je suis toujours dans mes augmentations ici dans le raglan. Mais franchement, il est très, très beau. Et je suis très contente d'avoir choisi ce coloris parce que ça va donner une version très différente des autres, je pense. Très rigolote, très joyeuse. Et je crois que j'en ai besoin de ma déception. Mais... qui va être super. Et j'aime bien parce que, tandis qu'il y a beaucoup de speckles, on voit quand même la bordure, etc. Et je trouve ça trop mignon. Donc, j'ai hâte. Mais entre-temps, donc je ne suis pas partie en Amérique. Entre-temps, il y a eu une nouvelle que je dois m'opérer de mon genou. Entre-temps, ma sœur aussi, elle a plusieurs problèmes de santé. Donc, mes parents, ils sont partis en France la voir.
Et moi, je n'avais pas vu depuis longtemps ma sœur et mes neveux. Je ne les avais pas vus cet été. Donc, j'ai pris la décision à la dernière minute d'aller les voir puisque j'étais supposée être en voyage. Donc, je n'avais pas trop de travail ici. Et je me suis dit aussi, le temps que qu'on ait l'organisation de mon opération de mon genou, je peux aller les voir un peu. Et donc, je leur ai fait la surprise. Donc, c'était très bien. Et je leur ai dit, je leur ai annoncé qu'il fallait que je m'opère de mon genou de près. Donc, voilà. Donc, c'était bien. On a eu genre 4 jours entre avec ma famille, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 3 ans. Et c'était bien que c'était très spontané et super cool. Et surtout un peu dans un moment un peu difficile côté, côté santé, etc. Mais tout va bien se passer et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Donc en rentrant de Paris, j'ai eu la nouvelle que j'allais m'opérer vendredi dernier. Mais à la dernière minute, comment on appelle ça? L'hôpital, comment on appelle ça? L'hôpital avait fait une erreur dans mes papiers et donc ils ne pouvaient pas m'opérer. Donc c'était une question de paperasse. Et donc maintenant, je n'ai pas encore de nouvelles dates. J'espère aujourd'hui savoir quand est-ce que j'aurai ma nouvelle date d'opération. Si ça va être jusqu'au début de cette semaine, je pense mercredi ou jeudi, je pense que je vais la faire maintenant. Sinon, parce que j'avais les précommandes et des commandes pour des magasins, et donc ça me pèse beaucoup, parce que si je me fais opérer, il va falloir au moins une semaine que je reste assise à ne rien faire, et je ne suis pas très bonne à faire ça, surtout quand j'ai du travail, j'ai envie de faire des choses. Et comme vous savez, la teinture, c'est assez physique, on porte des choses. Et maintenant, comme ça traîne un peu ma date d'opération, je suis un peu, ça me stresse en fait plus. Donc je sais pas, je pense que peut-être je vais décider en attendant, qu'est-ce qu'ils vont me dire comme date et comme solution, soit de l'avoir si possible jusqu'au début de cette semaine. Donc je pense jusqu'à mercredi, ce serait bien. Sinon, que je travaille, que je fasse toute ma teinture, etc. et que je l'ai en fin novembre. Donc on verra. J'avais déjà dit, pas discuté de mon opération de genou à ma newsletter. Ça va, c'est pas quelque chose de très grave. Je vais pouvoir marcher presque immédiatement, etc. Mais voilà, il va falloir que je prenne un peu du temps à part. Donc avec toutes ces nouvelles, je n'avais pas trop le moral et avec le voyage et en voyant ma famille, je voulais être un peu plus avec eux et vraiment être avec eux in the moment. Donc mon tricot, il est un peu plus en retard que ce que j'aurais voulu, mais au moins mon tricot Mojo est de retour. Et entre-temps, il y a eu aussi quelque chose d'autre qui a fait du retard du tricot et c'est ce petit bouquin. Tout petit bouquin, Dune. Donc vous savez que le film est sorti. Moi, je pensais que le film allait sortir à Noël, parce que tous ces grands films sortent à Noël. Et donc, je voulais lire le bouquin avant de voir le film. Alors, j'ai vu que le film en Grèce, il sortait jeudi dernier. Je me suis dit, j'ai le temps de le lire dans une semaine. Donc en fait, dans une semaine, j'ai lu un peu plus que la moitié, ce qui n'est pas mal, parce que j'avais le débat, livre ou tricot, livre ou tricot. Et je n'arrive pas, je ne suis pas des personnes qui arrivent à tricoter en lisant. Pas encore, j'ai jamais essayé. Je ne pense pas que je veux maintenant, pardon, commencer à essayer ça, mais il va falloir que je m'exerce. J'aime beaucoup le bouquin, j'aime bien comment ça va rapidement, il y a beaucoup de dialogues, c'est un anglais qui est facile, je trouve en tout cas, et donc je suis très contente que j'ai mis aussi ce petit challenge dans ma vie, mais je serais très contente que si jusqu'à la fin de cette semaine, j'ai fini au moins le bouquin
et j'ai séparé pour les manches. Bon, je pense que peut-être ce soir ou demain soir. Oui, parce que hier j'ai beaucoup tricoté. Avant-hier j'ai beaucoup lu. Hier j'ai beaucoup tricoté. Donc peut-être que ce soir je vais retricoter. Je sais pas. Mais voilà. Je sais pas. On verra. On verra. Donc voilà les nouvelles. Donc pour la teinture, les précommandes, je vous montrerai, je vous dirai comment ça se passerait aussi sur Instagram, etc. Et sur ma newsletter quand j'aurai vraiment une date fixée pour mon opération. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir vos laines et sans plus énormément de retard, j'espère. Là, j'ai une des commandes, des livraisons de mon stock qui arrive et j'en attends encore une autre en espérant que ça va arriver cette semaine. Donc voilà, j'espère que je serai prête pour tout ça. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte pour décembre parce que vous allez savoir pourquoi. Donc voilà, je ne dis plus rien d'autre. Si vous voulez, les précommandes seront en ligne jusqu'à la fin de cette semaine. Donc je les prolonge. C'était normalement jusqu'à aujourd'hui, mais ça va être jusqu'à la fin de la semaine. Donc vous pouvez aller regarder ce que vous voulez. Si vous voulez précommander pour faire un châle à mousse, si vous voulez faire un lazy sweater, il y a des kits. Donc les kits, c'est simplement des suggestions de couleurs, de combos. Sinon, vous êtes bien sûr libre de faire vos propres combos. Je vous propose aussi de faire un cal du pull newspaper de Rohi, si vous voulez. Donc voilà. Donc j'espère à bientôt. Beaucoup de bisous. N'oubliez pas, color is power. Yeah!